Spice Girls. Where the fuck are you? Yeah. Putain, mais ça a été rapide, hein. Ouais, le discours qu'aurait dû avoir Butcher. Ah ouais, donc t'as les pro-Maev et les pro-protecteurs. C'est un truc de ouf. J'arrive pas à me dire que c'est le final, c'est vraiment passé trop vite. We'll swing by the office and grab some more V. And then Huey will jump us to where the cunts are. Oh. Ça va vite, hein. Tout va très vite. Hein. So you lost your temper. Ah, c'est compréhensible. Hein. L'accent du français, il est vraiment excellent. Where were you? What do you want? Come. I'm walking. Putain, Black Noir, il y a tellement de mystères qui tournent autour de lui. What? Il a quand même protégé Yui, du coup. Hein. What happened to you? You'll never believe it. They gave me a new ticker. Avec le cœur d'un gros raciste. But it don't mean I'll make it right. J'aime bien aussi ce qui tournait autour de H1. L'acteur d'H1, on va le voir dans Tales of the Walking Dead, là, bientôt. Une ambiance tapeur, hein. Alors, ça va être... ça va partir en couille, la fin, je pense, hein, c'est... Bon, ça, c'est mignon, ça, dis donc, hein, Mais petit soldat, il fera rien à Blunder, je pense. Black Noir, peut-être. Ouais, c'est Butcher. Ouais, il est sauvé. Bonjour, petit. Oui, Billy. Discovers he's got incredible power. Sympa le daron, hein. That a real man wouldn't have cheated. Il y a vraiment un rapport avec la famille, notamment avec les pères. I always wanted him. Ouais, petit soldat, il va pas le faire. Soldat boy, il va pas le faire, c'est sûr. Ça va partir en couille. Ouais, parce que c'est la seule famille qui lui reste, quoi, donc... D'accord. Je suis sur le cul. Je suis choqué. C'est fini pour Black Noir ? Ça m'a grave surpris en fait, je n'y attendais pas aussi brutalement. If Soldier Boy goes through with this, thousands will die. Help us stop. No. No. No, my. Ah ouais, tout le parallèle avec le frère, je le kiffe. Ouais, ça part en couille là, ça commence. Ça y est, ça commence. This is not. Aussi, ils vont se rebeller. Putain, je sens que ça va partir vraiment loin. Voilà, Noir, il est mort. Ouais, tout ce rapport avec la famille qu'il a pas, et c'est super, moi, je trouve. Seigneur. Cette intensité dans la scène, ce stress. Off the record, I'm expecting good news at the prayer breakfast. Ah, c'est l'homme poisson. Ouais. Et l'homme poisson, je peux pas me le voir, mais vraiment. You're joking. We're gonna break in the vault tower while you go to the lab, crawling with armed guards.
De toute façon, au point où ils en sont, eux, faut y aller, quoi. Ça y est. Where's Noir? It's like to have your team betray you. En même temps, t'es un sacré connard aussi, hein. Ouais, non, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Putain. Ryan. Oh là, cette scène incroyable, bordel. Oh putain. C'est vraiment une scène de grand barge. Maybe if I'd raised you. Get back upstairs right now. Oh! C'était sûr. Ah ouais, contre toute attente là, clairement. Oh putain, cette scène. Oh, ce plan. Putain, c'était sûr que ça allait partir en couille. Hey, asshole. Oh! Oh putain. Ça fait bizarre de le voir limite gentil là, le protecteur. Oh là là. Oh! Oh putain, cette fin d'épisode, bordel. Attention, there has been a terrorist threat called into the building. Please leave as... C'est Flashdance. Ça se colle des droites de cow-boy là. Oh ah ouais, Maëve, elle a l'œil crevé. Oh, oh, oh putain, Annie. Oh la vache. Oh putain de bordel. Putain, le bouclier, il a sauté. Oh! Ah, Beatrice, il va dormir un peu, là. Oh, la branlée qui se prennent, quand même. Oh là là, mais... je suis pas rassuré, quand même. Ah, bien joué. Bien joué, frérot, bien joué. Ah ouais, elle se transforme en Super Saiyan. Aïe aïe aïe. Oh! C'est Maëv qui va se sacrifier. La dinguerie. La dinguerie. Maëv et le Soldier Boy. Are you hurt? Ryan, look at me. Finalement, c'est Soldier Boy qu'ils ont eu. C'était sûr de toute façon que le Wonder allait survivre. Dire que c'est le final, il va falloir. Oula. D'accord. Long ago. Months. 12. 18 on the outside. Faudrait qu'ils prennent du composé V. For the longest time, Janine, I had it. Je parlerai un petit peu de l'épisode après, mais on fait un live lundi avec Tokoi donc. Les personnages cette saison, par contre, c'est caviar. Hein. Elle est en vie. Ouais, le protecteur. Je suis légèrement déçu du final. La saison 3 reste excellente, bien évidemment. Mais je pense que j'avais trop d'attentes, ça doit être pour ça. Ok, bon, ils ont fait une bonne action pour une fois. J'étais sûr. C'est trop rapide, à mon sens. Je me demande sur quoi on va nous laisser. Il va leur dire qu'il est malade ou pas? Oh, oh là 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 là. Oh, il va présenter son fils aux yeux du monde. Oh! D'accord. Ok, bah écoutez, putain, ça annonce des choses quand même terribles par la suite. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus grand, d'un final un peu plus intense. Alors ça pose quand même bien les bases pour une saison 4, c'est sûr. Mais je sais pas, il manquait quelque chose, mais je ne vais pas trop vous en parler aujourd'hui. On fait un live lundi soir avec Tokoi pour vous en parler. Donc si vous voulez connaître un petit peu mon avis sur cette
excellente saison 3, clairement, qui est, à mes yeux, la meilleure. Je vous donne rendez-vous lundi à 21h pour qu'on en reparle tous ensemble. Et si vous n'êtes pas disponible ce lundi 21h, je remettrai le rediff du live sur ma chaîne secondaire Monsieur Grimes Live, dans la semaine, bien évidemment. C'était très intéressant, hein, pour ceux qui veulent voilà, un petit peu savoir quand même ce que j'en ai pensé rapidement. Un final voilà qui peut-être, de mon côté, il y avait peut-être trop d'attentes. Clairement, ça reste excellent, ça reste un très bon épisode, surtout pour les personnages et ce que tout ce qui s'est passé va engendrer, clairement. Je trouve que les personnages sont toujours aussi bien écrits et tout ce qu'on a installé dans les premières saisons explose encore dans ce final, surtout le rapport de la famille, le père. Et c'est drôle puisque entre Butcher, Homelander et Soldier Boy, ils ont tous les trois eu des soucis de relation avec leur père. Et c'est un peu aussi ce qu'a eu le jeune Ryan et qui se raccroche au protecteur parce que c'est le seul qui lui tend les bras. Il y a des parties dans l'épisode où le protecteur a l'air gentil. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Enfin, il a l'air à l'écoute et pas aussi violent et dangereux qu'on a pu voir dans les épisodes précédents, même si la scène où il est avec H-Wayne, l'homme-poisson, est assez intense. Et vraiment de bonnes choses, mais j'ai besoin voilà, de quelques jours pour me remettre un petit peu de tout ce que j'ai vu et vous proposer une meilleure analyse et une meilleure critique. Donc lundi soir à 21h, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt.